On fait juste une photo. C'est bon, calme-toi. Fais juste une photo comme ça. C'est bon, presque. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement piéger un escroc sur Instagram. Alors, je vous explique. La personne que nous allons voir dans cette vidéo a tout simplement créé un faux compte sur Instagram en se faisant passer pour le célèbre YouTuber Squeezie. Cette même personne repère sur Instagram des jeunes abonnés de Squeezie, en général âgés de 10 à 12 ans. Donc, ça pourrait être par exemple votre petit frère, votre petite sœur, et les contacte en leur annonçant qu'ils ont gagné un concours pour rencontrer un iPhone et rencontrer Squeezie en personne. Malheureusement, je pense que vous l'avez bien compris, mais ce n'est pas Squeezie qui se cache derrière ce compte, mais bel et bien un escroc qui donne rendez-vous à ces jeunes en leur demandant d'amener le plus d'argent possible, quitte à le voler à leurs parents, pour ensuite, une fois qu'ils viennent, les racketter. Donc j'en profite pour passer un message de prévention, faites très attention à ce type d'arnaque, et essayez vraiment de sensibiliser les plus jeunes autour de vous sur les dangers d'internet. Pour en revenir à la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement créé un faux compte sur Instagram, en me faisant passer pour Hugo, 11 ans, jeune abonné de Squeezie. J'ai contacté l'escroc via son faux compte, et nous nous sommes fixés un rendez-vous. Ce que vous allez voir maintenant, c'est la scène où je le rencontre. Bien sûr, il s'attendait pas du tout à me voir, ni à ce que ce soit lui qui soit piégé. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît, comme vous le savez, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Et je compte sur vous pour partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de personnes. Sur ce, c'était Mikalash et je vous laisse directement avec le contenu de la vidéo. Ah frérot, salut, excuse-moi de te déranger. Ça va tranquille. Bonjour. Excuse-moi, c'est pas toi le youtubeur, ce Squeezie, je sais pas quoi là? Pourquoi tu m'accoffes comme ça? Non, parce que t'as vu, je t'explique. En fait, genre, il y a mon petit frère, il a eu une petite galère, il est à l'hôpital et tout, tu vois. Oui. Et aujourd'hui, en fait, il devait rencontrer un espèce de youtubeur, je sais pas quoi. Je ne connais pas trop, moi, dans ses bails, mais en gros, il devait rencontrer un Squeezie. Squeezie. C'est toi? Oui, c'est moi, le youtubeur. Ouais, voilà, ah, c'est toi. Ah, ton petit frère, c'est Hugo. Ouais, c'est lui. En gros, t'as vu, il m'avait, genre, il devait venir, je sais pas quoi. Oui. Venir ici pour me rencontrer parce que c'est un fan quoi. Voilà. C'est un fan de toi. Je crois. C'est ça. Il aura tes vidéos sur YouTube. C'est ça. Un plaisir, enchanté. Sur YouTube, c'est ça? YouTube? Ouais. Toi, tu connais pas vraiment pas trop. Non. Je m'y connais pas trop, t'as vu? Bah après, ça va, tant mieux. Je pense que t'as dit de venir comme ça et tout pour me rencontrer. Ouais, voilà, en gros, en fait. Ouais, c'est lui qui vient, tu vois. Ouais, mais tu vois, je suis venu à sa place. Après, c'est lui qui avait gagné le concours quand même. Ouais, voilà, il y avait l'histoire du concours aussi. Oui, il a gagné. Alors, en gros, je t'explique, moi, là, il est à l'hôpital, tu vois. Là, t'as vu, il a une petite opération au niveau de la rotule gauche. Du coup, en fait, il m'a expliqué. Alors, il m'a dit que je devais prendre des sous avec moi en liquide. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, moi, j'ai dit qu'il avait gagné le concours. Voilà, il y avait. Il avait l'iPhone. Voilà, il y avait l'iPhone. Alors, voilà. Moi, je... Pour l'iPhone, du coup, pour le concours. Il m'a dit que c'était remboursé, c'est ça? Ouais, c'est ça, en gros. Tu me donnes tout ton argent. Ouais. Enfin, tout ton argent. Tout l'argent pour le téléphone. Moi, je suis venu avec 400 euros. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais dit, 400 euros. C'est bon, 400 euros? J'avais dit par message 400 euros. Okay. Comme ça, tu me donnes 400 euros. Ouais. Moi, je rentre chez moi. J'emballe le colis. Je te l'envoie. Mais les sous sont remboursés? Ouais, ils sont dans la boîte de l'iPhone en fait. Ok, mais pourquoi t'as besoin des sous si... C'est, on va dire, c'est une mesure de sécurité. Ok, mais en fait, en gros, genre, tu lui renvoies le colis avec les sous. Voilà. En fait, là, t'as vu, genre, YouTube, il me paye bientôt. Ok, ouais. Et genre comme ça tu me donnes les sous, ça me permet de pas dépenser mes sous et après je te renvoie les sous quand j'ai ma paye. Ok, ça marche, pas de soucis. Et du coup c'est toi, c'est Squeezie, c'est Squeezie, c'est ça. C'est toi le youtubeur, genre. Oui, c'est ça. Mais t'as combien d'abonnés? Ouais, j'ai passé la barre de 10 millions il y a peu. T'as 10 millions d'abonnés? 10 millions de personnes qui me suivent en France et dans tout le monde entier. Sérieux? Eh oui, hein. C'est pour ça que ton petit frère doit être fan de moi. Donc c'est incroyable, gros. C'est bizarre que tu me connais pas bien. Mais c'est vraiment, c'est toi le mec qui fait les vidéos? Oui, le vrai, l'authentique, excusez-moi. Mais en fait, tu fais quoi comme genre de vidéo? Je fais un peu tout, je fais des threads, je fais... Des quoi? Des threads. Des threads? Oui, c'est genre, je lis des histoires sur Twitter ou sur d'autres sites. C'est pas les trucs dans les cheveux, genre les threads, genre... C'est des threads, ça. Parce que t'as vu, la dernière fois, je suis allé au coiffeur, et je suis arrivé, je lui ai dit, ouais, je voudrais des threads, s'il vous plaît. Mais... Oh, oh! C'est ma gueule, là! Mais non, la tête... Des threads, pas des threads! Non, je suis arrivé, je lui ai dit, je voudrais des... Je crie pas, je suis arrivé, je lui ai dit je voudrais des threads. Des threads? Oh, il m'a attrapé par le... Arrête! Moi je lui ai dit je voudrais des threads. Eh ben, arrête de m'envoyer, t'es threads! Mais non, mais gros, je t'explique, il m'a dit que mes cheveux ils étaient trop courts. Toi t'en penses quoi franchement, gros? C'est trop court, tu peux faire ce que tu veux, mais je m'en fous, moi je fais des threads. Ok, mais moi je aussi, on s'en fout. Moi aussi je voulais faire des threads. Je m'en fous. Mais comment tu fais avec tes cheveux? T'as les cheveux courts, comment tu fais à faire des threads? Threads, c'est des vidéos. C'est pas des cheveux, c'est des cheveux. Je comprends rien, frère. C'est bon, vas-y, c'est bon. Laisse-moi rendre YouTube et toi. On va faire ce que tu veux avec tes cheveux. Ouais, pourquoi tu t'énerves? Là, tu m'énerves, tu fous ma gueule, je te parle de ma passion, je fais des threads, toi tu me parles de ta coupe de cheveux, je m'en fous de ta coupe de cheveux. Attends, je trouve un truc un peu bizarre, t'as vu? Attends, je vais regarder, vite fait. Tu m'as dit c'est quoi le nom déjà de ta chaîne? Je t'en fous, tu regarderas chez toi. C'est Squeezie, c'est ça? Je t'en fous, tu regarderas chez toi. Ah, tu regardes, t'as vu, il m'avait envoyé une photo, touche pas frère, touche pas. Regarde, t'as vu, en vrai, franchement, je ressens pas vraiment... Ça date de quand cette photo? Quand? Elle date bien au moins 2 ans, elle date.
Ouais, mais même, je sais pas, t'as pas l'air de lui ressembler, genre, c'est... Tu sais qu'en 2 ans, les corps, ils évoluent. Moi, t'as vu, genre, je me suis pris en main, je suis allé à la salle. Ouais. Voilà, quoi, après... C'est louche, hein, franchement, tu le ressembles pas vraiment. La barbe et tout, c'est... La barbe, elle pousse, toi aussi, t'as en 2 ans, t'auras une plus grosse barbe, c'est logique. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Bon, là, j'avais la barbe bien taillée, toute petite. Ouais, mais tu ressembles pas du tout aux photos, frère. Mais si, je ressemble aux photos, c'est juste que celle-là, elle date, parce que moi, t'as vu, je vais te dire mon secret sur YouTube. Les vidéos, là, elles datent d'il y a 1 an. J'ai tourné à l'avance, tous les jours, je tourne. Ouais. Et après, je mets les vidéos et ça fait 1 an que je fais ça. Et en gros, ça décale tout d'1 an. Donc là, les vidéos qu'on voit de toi, c'est bien. Voilà, c'était il y a 1 an, genre, on était en 2018. Mais comment t'as fait en 1 an hein? T'as pris de la masse et tout, on dirait, genre sur les vidéos. T'as l'air tout maigre. Je trouve. Ouais. Puis je vais à la salle. Ouais. Après, maintenant qu'on a des sous, on peut se piquer et tout, quoi. Ouais, quoi, tu rigoles. Tu te piques, toi? Oui, je me pique. T'as évolué comme un Pokémon, frère, on dirait. Je suis pas un Pokémon. Mais t'es Narta. Je suis pas un Pokémon. Moi, je suis vraiment. T'as vu ton frère? Ouais. Le petit. Ouais. Il m'a dit, je viens, je te donne des sous, on prend 2-3 photos, on se casse. Ok. Et moi, il n'y aura pas de photos. Parce qu'après, tu vas mettre où je suis, les gens vont venir, j'ai pas envie d'être dérangé. Tu vas me donner les sous, mon frère, il va être content. Je vais lui envoyer son iPhone. Ouais. Donc maintenant, arrête de me dire Pokémon, je sais pas quoi, arrête de juger mon apparence. Ok, c'est bon, frère. Arrête de me toucher. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Calme-toi. Ouais, parce que maintenant, j'ai pris de la masse musculaire, comme t'as dit, je te soulève. Mais... Maintenant, donne-moi les sous. Calme-toi, pose-toi tranquillement, on va parler. Mais parler de quoi? Moi, j'ai pas envie de parler, je suis pas trop content. C'est bon. Une vidéo pour l'année prochaine. Moi, frère, tu sais quoi, regarde, je veux bien te donner les sous pour le concours et tout, c'est super sympa ce que tu fais. Sinon, il aura pas son iPhone, il va être dégoûté. Moi, ce que je te demande, c'est juste si c'est possible avant, tu vois, de faire une petite photo. Je t'ai déjà dit non une fois, là, je t'ai dit non 2 fois. Je t'ai expliqué pourquoi les gens vont me reconnaître. Mais on peut pas faire juste une petite photo? Et quoi, tu comprends pas dans mon. Aide! Oh, aide! Oh, gros, t'es un malade mental, t'es sûr que tu fais des vidéos sur YouTube, toi? Je vais rentrer chez moi. Mon frère, il va pas avoir Toto, il va pleurer et tout. Je t'ai dit non 3 fois. Pourquoi? Parce que je veux pas que les gens me reconnaissent. Mais tu fais des vidéos sur YouTube, t'as 10 millions d'abonnés, tu veux pas que les gens te reconnaissent? Ça fait 1 an les vidéos, tu comprends pas, t'es quoi? Mais t'es bizarre, gros. Toi, t'es bizarre. T'as intérêt d'avoir venu avec les sous ici. Bah, les sous, ils sont à la voiture. Pourquoi à la voiture? Bah, je les ai laissés, on sait jamais. On sait jamais de quoi? Bah, tu sais quoi? Dis-moi, je vais t'ordonner. Va prendre les sous. Ouais. Bon, je vais prendre les sous, je reviens, mais après, on fera une petite photo. Je vais m'énerver. Mais non, pourquoi? Ah, vas-y, sois gentil. Regarde, t'as vu, je vais être gentil avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, l'équipe, je vous explique, il y a une petite coupure de micro, mais le son revient très vite, ne vous inquiétez pas. Ce qui s'est passé, en fait, c'est juste que je lui ai dit que j'allais chercher les sous à la voiture, et le son revient juste après. Ah, frère, je vais te déranger. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Quoi, ma gueule? Tu fais mon téléphone? Mon téléphone et tout, gros. Je casse pas ton téléphone. Tu pètes mon téléphone. Montre-moi qu'il est cassé ton téléphone. J'ai plus de batterie, frère. Alors il est pas cassé, c'est que t'as plus de batterie. Arrête de me prendre. Mais gros, on fait comment? On aura un nouveau téléphone. Oh, tu m'en fous là. Arrête de tourner autour de la pièce, ça m'énerve, gros. Calme-toi. Pourquoi t'as pété? Me touche pas, tu vas me monter les nerfs. Oh, je vais appeler mes collègues pour de bon. Mais pourquoi tu vas appeler tes collègues? Pourquoi je vais appeler mes collègues? Je vais appeler tes collègues. J'ai dit à ton frère, je voulais que les petits ils viennent. Ouais. Je donne les sous. Toi, t'es là, tu me casses mon masque. Qu'est-ce que tu fais? Gros, calme-toi. Oh, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Je vais devenir fou. Pourquoi? Donne-moi les sous. J'ai les sous, mais en fait, j'ai pas les sous, tu vois. Ça veut dire quoi ça? Je dis pas que t'es allé là-bas dans la voiture, je vais prendre ton masque de. Non, bah, je suis depuis le début. Calme-toi, je me fous pas de ta gueule. Tu joues à quoi? Mais tu joues à quoi? Ton petit frère va être déçu de toi. Mais non. J'espère que ton petit frère va plus jamais te parler. Mais il va te faire la gueule toute ta vie. T'es méchant. Il va te ruiner toute ta vie. Franchement, t'es vilain. Et bah, donne-moi les sous, il aura son téléphone et après, il va te prendre dans ses bras comme si t'étais sa femme. Qu'est-ce que tu racontes, gros? T'es bizarre, toi, t'es chelou, frère. C'est toi, t'es chelou. T'es pas net, Baptiste, franchement. Baptiste. Oh, je m'appelle Cusy. C'est bon, calme-toi. Je te propose un truc. En fait, j'ai les sous, t'as vu? Mais j'ai pas vraiment les sous. Mais je peux avoir les sous. Ça veut dire quoi, tout ça? Je te demande juste une photo pour mon petit frère. Oh! Il y aura pas de photo. Pourquoi? Arrête de me demander une photo. Pourquoi il y aura pas de photo? Tu crois que je vais prendre les sous moi-même? Là, j'ai pas les sous. Ils sont où? Est-ce que tu peux avoir une petite photo? Il n'y aura pas de photo, je vais appeler mes collègues. Comment ça, tu vas appeler tes collègues? C'est bon, appelle pas tes collègues, frère. Pourquoi t'appelles tes collègues? T'as les sous? C'est bon, ouais, c'est bon, on appelle. T'as les sous? J'ai les sous. T'as les sous? Je les donne, raccroche, c'est bon, on n'appelle pas tes collègues, frère. J'ai les sous, je vais te les donner. Je t'explique, viens, on va se mettre là-bas. Frère, moi, je veux bien te passer les sous. Mais donnez-moi! Je vais te les donner. Juste, ce que je te demande en échange, c'est une petite photo pour mon petit frère. Il va être déçu. Tu comprends pas? Donc, je veux rester anonyme! Mais anonyme de quoi, gros? Anonyme de quoi? T'as 10 millions d'abonnés sur YouTube. Oh, me saoule plus. Mais pourquoi? Je t'ai expliqué 3 fois. Mais pourquoi? Mais non, pas du tout.
Donne-moi les sous, mon frère, il sera content. Mais moi, ce que je te demandais, c'était juste de prendre un petit selfie. C'est vraiment que j'appelle mes collègues. Mais pourquoi tu appelles tes collègues? Je vais repartir tout nu. Mais non, mais... Regarde, c'est pas plus compliqué. Gros, on fait juste une photo. Arrête! C'est bon, calme-toi. Fais juste une photo comme ça. C'est bon, frère, c'est bon. Arrête, tap. Arrête avec la photo. Là, c'est bon. T'as fait quoi, mon masque? Gros, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Mon masque, il est tout déchiré. Je vais le déchirer, comme je vais le déchirer. C'est quoi? Regarde, on va se calmer. On va repartir. J'ai pas pris de photo de moi. Non, j'ai pas pris de photo de toi. J'ai plus de batterie, de toute façon. J'ai plus de batterie, frère. C'est bon, zen attitude, frère. Tranquille, ok? On se calme, je vais te passer tes sous. Enfin! Attends, juste, il y a un petit truc, tu vois. En fait, en gros, c'est mon cousin. Je dois appeler mon cousin. Mais j'ai plus de batterie sur mon téléphone, comme je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai pas pris en photo. Mais t'as crié? Non, mais j'ai plus. Comment ça crie? Appelle-le si tu veux. Mais non, faut que je l'appelle au téléphone. T'es quoi? Et tu crois quoi? Je vais donner mon téléphone? Je dois juste l'appeler vite fait. Eh mec, il va avoir mon numéro. Mais non, je t'appelle en masqué si tu veux. Donne-moi le numéro. C'est bon, je le fais moi. Bon, je le fais moi. Et je le connais par cœur, mais il faut que je tape sur le clavier pour me rappeler. C'est comme les cartes de cartes. 31 Jays. Ouais. Touche pas le téléphone. Ah, c'est bon. Je regarde ce que tu fais. Ouais, fais voir. Je l'appelle, comme ça il vient, il me dépose les sous, c'est bon il a 500 euros, il ramène. On fait perdre du temps là. L'iPhone, il va mettre plus de temps à venir maintenant. Il va mettre plus de temps à venir. Est-ce que je devais rentrer vite? Attends, ouais. Je sais pas, frère, on dirait que ça marche pas. C'est bon, frère, détends-toi, gros. Oh, gros. Frère. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, gros, c'est bon, calme-toi. Regarde, calme-toi, frère. Je vais appeler mes cousins, on va... Mais pourquoi, frère? C'est bon, détends-toi. Moi, je fais des vidéos sur YouTube pour de vrai, t'as vu? Vas-y, je connais pas YouTube. Moi, je fais des vidéos sur YouTube pour de vrai, t'as vu? Regarde, là-bas, je t'ai piégé, il y a une caméra et tout qui t'enregistre depuis tout à l'heure. Tu vois, gros, donc maintenant... Tu vas arrêter de faire le fou. Arrêter de faire le fou. Comment ça, nous? La caméra, elle est juste là-bas, regarde. Tu vois pas? T'as été pris comme un... T'as été piégé, tu vois? Ah, frère. Gros. Ah, reviens là. Ah, frère, la caméra. Lâche-moi. Viens là, vas-y, casse-toi, va. Sale va. Regardez-le, moi. Bon, c'est bon. Je pense que ça lui aura servi de leçon.